C'est donc le cœur lourd que nous débutons ce nouvel épisode. Séparés que nous sommes de notre bi, de notre amour. C'est avec une souffrance inégalée que nous allons continuer cette aventure. Mais bon, écoutez. Ah oui, non. J'ai encore le cœur lourd quand même. J'ai encore le cœur lourd, mais bon, peut-être qu'on capturera des Coromones un peu plus sympas par la suite. Merci Francis pour ton resub, qui me réchauffe un petit peu le cœur en ce moment difficile. Ok, bon. Eh bien écoutez, déjà, on va pouvoir continuer. On voulait aller là, nous. Ah, c'est pas encore dispo. Ah, on les a pas trouvés, les petits points de passage. Bon, allez. Elle va me manquer, quand même, cette petite bille, parce que, en vrai, elle avait quand même une attaque quand même super puissante. Mais, on a battu le premier titan. Et ça, c'est quand même positif aussi. Allez, let's go. Ah bah tiens, merde. Fruit de Jouba. On va en planter quelques-uns. Peut-être pour la mission. Fruit pic. Je peux replanter un Jouba? Ouais. Attends, je vais les équiper d'ailleurs. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû les équiper au... à mes monstres. C'est de ma faute. Ouais, on a perdu notre Coromon. Notre commande principale. La magnifique. La sublime. L'abeille. Qui est au ciel maintenant. Voilà. Malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai le cœur lourd quand même. J'avoue que là... Surtout qu'on a une chance de la récupérer, mais comme on n'a pas ce qu'il faut, c'est un peu compliqué. Et comme je peux pas capturer ce que je veux dans le Nuzlocke, c'est aussi un poil compliqué. Allez, faut que j'avance à pied. Ah, j'aurais pu aussi me mettre sur l'autre map, ça aurait été plus rapide. Ouais. Hello, comment ça va? Eh ben ça va pas super fort, parce qu'on a perdu notre Coromon. Voilà. Paix à son âme, ouais. Bon, on a battu le titan, il faut aussi se le dire. Voilà. C'est quand même un bon point. Je suis obligé de les battre, ceux-là. Hein. Allez hop. Il fait chaud, la vache. Je vais remonter un petit poil la clim. Allez, c'est parti. Ah bah c'est sûr qu'on serait pas en Nuzlocke, on avancerait plus vite. Mais c'est ça le fun de cette aventure. Allez. Allez, vas-y. Normalement, il faut que je remonte, je crois, sur le trajet. Ça doit être ça. Allez, go. Oui, non, mais même en mode normal, il faut farmer l'expérience. Mais t'as pas de risque de perdre ton Coromon, quoi, c'est tout. Donc, bon. Allez, on s'introduit dans la forêt pour débuter cet épisode. Oula. La marée des trempées. C'est quoi ça? Wow. Ok, d'accord, pardon.
c'est l'essence. C'est ça, ouais. Ah, les titans ont créé cette planète il y a longtemps, ok. Ok, c'est cool. Parfait. Du coup, laisse-nous nous présenter. Alors, nous sommes les. On doutait. Écart des trempés, ok. Ciseaux de poche, ok. Cueillir assez de champignons, t'aider à fabriquer des encens à Coromon. Ok, recette de parfum. Tiens, que 10 secondes pour agir. Recherche champignons. Veuillez ne couper les super champignons parfumés que lorsqu'ils sont mûrs. Pas du tout mûrs. Va impressionnante, ça progresse, nanana, mûr. Ok. Ok. Excellent. Ah oui, effectivement, je les vois être mûrs et je les vois mûrir. Attends, pardon, je peux choper celui-là. Hein. Ah mais du coup, je peux pas le choper. Ah si. Ah si, mais je fais comment pour le... Je fais comment pour le choper? Ah ok, c'est bon, juste ça. Ok. Ok, ok. Attendez, il y a des coromans là-dedans. Bon, vu que j'ai la petite icône en haut à droite, ici, là, ça veut dire que je peux en capturer un nouveau, aussi. Ah, mais on va se taper ces Coromon dégueulasses, ça, c'est sûr. Niveau 17, bon, ça va. Ouais, quand même. Oh, 17, ça va pouvoir bien farmer, quand même, ici, je pense, aussi, hein. Non, non, toujours pas remis du traumatisme, malheureusement. Ok. Non, demain, j'aurai pas le temps de tester que Digimon. Demain, on est sur Xenoblade. J'aurai pas le temps demain, plus tard. Mais je compte bien le tester, puisque c'est de la stratégie tour par tour. Mais j'aurai pas le temps demain. Ah, ça, j'aimerais bien le choper, celui-là. Celui-là, je dis pas non, à la limite. Que je tout mette en attaque. Okay. J'aurais bien aimé capturer celui-là, mais c'est tellement pas sûr. Hein. Celui-là, sinon. Ça me fait un peu penser à celui que j'avais avant. Bee. Bumblebee. Merci Seb pour ton re-sub. Merci beaucoup. Ouais, on prend masse d'XP ici. Bon, allez. Ah, c'est l'évolution de Lumon. Cool. 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 Bah espérons que... Lumon, tu sais à quel niveau il évolue ou pas? Merci Rumog pour ton resub. Ah, c'est ton subniversaire. Joyeux subni. Tu sais à quel niveau il évolue ou pas? Merci, joyeux subniversaire encore à toi Rumog. T'inquiète pas, je l'ai compris. Et on peut farmer de dingue ici. Mais non, parce que le problème c'est que si je fais la flûte et qu'il m'attrape le Coromon que j'ai pas et qu'il le prend lui, c'est ridicule. Tu vois ce que je veux dire?
Parce que je l'ai pas encore. Du coup, il est capable de me le prendre. Et du coup, j'aurai deux fois le même. Ce serait relou. Et bonjour à ceux qui débarquent. Ah merde, il m'a empoisonné. J'aurais bien aimé le capturer lui là. Ce Coromon là, il a l'air ouf. Lumon évoluerait au niveau 16, c'est ça? Bon, ça va, on est proche alors. On est assez proche. Enfin, je vais aller choper ça. Ok, ça va bientôt éclore ça. Je crois qu'il est au niveau 14 là. Tu veux pas être désempoisonné? Multi-éclair. Bien ça. C'est bien multi-éclair. Lumon niveau 15, on est bon. Allez go. Oh là là, c'était. J'ai vu les petites étoiles. Hein. Je crois que c'est un puissant, voilà. C'est un puissant. Donc déjà on va avoir masse d'XP avec lui. On va avoir masse d'XP. Allez hop. 1300, la vache. Pouah. Ah voilà. Lumon, c'est parti. Allez, petite évolution, effectivement. Il est stylé quand même. Il est stylé, Coromon électrique. Stylé, stylé, stylé. Bon. Et ça donne quoi du coup les encens protéinés? Pas plus dans le bus, yes, bien sûr. Concocter un encens, concocter 5 encens. Bah attends, on va le faire. Pour les défis, ça peut être bien. Question, ça sert à quoi du coup les encens? C'est pas là. C'est pas là non plus. Ah merde, ils sont où? Allez, voilà. Ah, bien ça. Attends, je vais l'utiliser, voir. Ok, stylé. Ok, ça applique des trucs sur les Coromon. Défi accompli, bah oui, ça doit être utiliser l'encens sur les Coromon. Ça doit être ça. Et j'aurais bien chopé le Phibio, là. J'aurais bien aimé le choper, lui. Oh,
Oh, c'est un dresseur, ok. Allez, go. J'aime bien ce que rajoute le jeu petit à petit. Du coup, je vais stresser à chaque gros combat maintenant de perdre un de mes Coromon. Hein. C'est sûr. Hein. Vu comment ça a été violent tout à l'heure. Hein. Je me revois crier. Non ! Je me revois le crier. Enfin, bref. J'ai pas été revoir l'épisode d'ailleurs, mais je crois que je le crie tellement j'avais été choqué de la perte qui était. Il m'a fait un one shot en vrai. Mignon lui quand même. Oula! Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur quand je l'ai vu vider ses. Quand je l'ai vu vider ses PE. Oh, j'ai eu peur. Ah ouais. Alors, ok, donc un des champignons, je vais récupérer ça, super. Et de toute façon, après, elle m'a dit que ça prenait 5 minutes pour que ça revienne. Il y en a un là, regarde. Tiens, vas-y, on va le tenter. Allez, vas-y, on le tente. On espère en avoir un coup, là. C'est le seul Coromon de la zone, je le rappelle. Ah, c'est quoi ça? On dirait un espèce de... métamorphe. Vas-y, je le tente tout de suite. Spinner rapide, allez. Ok. Oh, il a pas mal de PV, hein. Attaque mâchoire, indique, salive collante, coup fourré. Ah, c'est un type spectre. Il faut que je le prenne sur moi. Ok, faut que je le prenne. Remplacer un membre de l'équipe. On va remplacer. On va remplacer lui. Ouais. Parce qu'on a besoin d'un type spectre pour. Apparemment pour battre le titan. Spectre versus spectre. Tiens, il y en a qui vont éclore là. Tiens, regarde. Hop. Ah merde. Ok. C'est stylé quand même comme truc. Et du coup, je peux récupérer autant que je veux. Et les revendre ou pas? Parce que si on peut les revendre, on peut se faire masse d'argent là avec ça. Je pense que déjà on peut les transformer. Déjà. Et après ça nous fait des. Ça nous fait de l'XP. Regarde, en sang apaisant. Vas-y. Attends, j'avais un truc à faire. Attends, je cherche celui-là. J'en ai pas fait. Non. J'aime tellement la DA en vrai. C'était 5. Ah, c'était 5, je crois. Ah, oui, tous les défis sont affichés, d'accord. Tiens, on va s'en charger. On va en faire suffisamment pour faire le défi. Dans le village, après, il te permettra d'acheter des objets et des Coromon. Et je peux pas acheter de Coromon, hein.
Je peux pas, je suis en Nuzlocke. Je peux pas. Souviens-toi. Par contre, c'est sûr que les encens, je peux les vendre. Voilà, défi. Hop là, 100. Ah, ça c'est fait. Ah oui, j'en ai deux à récupérer, c'est quoi ça? Gâteau attaque. Et... ok. Ok. Bon. Ah, zut, je l'ai raté. J'y étais quasiment. Attends, on est... il faut que je lui donne un peu de... un peu de soin. Gâteau PVM. Ouais. Je vais prendre ça, déplacer l'objet pour Drupal. Ok. Ok. Ok, je vais essayer de le... je peux me battre contre lui ou pas? Non. Ok, Lux retour. Bon, on a trouvé une bonne zone pour continuer le farm. Hein. Défi accompli. Bah oui, on a encore empoisonné un corps romain. Cool. Allez, ça dégage d'un seul coup. Critique. Bon, c'est bien parce qu'on va avoir plusieurs jeux en même temps. On fera pas que du Xenoblade de demain. Ça sera cool. Ça va permettre de pas... oh! Oh, c'est la dernière évolution de mon principal. Trop bien. Allez, troisième évolution de notre Coromon principal. Celui qu'on nous a donné au début du jeu. Oula, on dirait un gros glaçon. Oui, ça va. Ça va. Ah ouais, non, il est stylé comme ça. Il est stylé comme ça avec son espèce d'armure. Ouah, il a masse de PV après. Deux défis accomplis d'un coup. Mais comme ça au moins. Et du coup, j'en ai trois. Regarde. 10 combats gagnés, oui. Découvrir 40 Coromon uniques, oui. Et je pensais que j'en avais un autre, mais pas du tout. Et bah écoute, on est déjà au niveau 24 des défis, donc c'est cool. Incroyable. J'avais pas vu qu'on était déjà au niveau 34 en fait. Ça équivaut un peu au niveau 34 du Florizarre. Ok, le spectral. Je crois que c'est Florizarre qui évoluait aussitôt. Je crois que Tortank c'était 37, Dracofeu c'était 36, et Florizarre c'était 33 ou 34, un truc comme ça. C'était celui qui évoluait le plus rapidement, dans mon souvenir. Hein. Si je ne dis point de bêtises. J'ai jamais trop su pourquoi. Pour moi, ils évoluaient tous au même niveau, pas du tout. Par contre, pour farmer cette zone, elle est incroyable. Et bonjour à ceux qui débarquent. Plutôt re-bonjour, parce qu'on était déjà ensemble tout à l'heure. C'est 32, Florizarre. Merci. Ah, tu vois, c'était beaucoup plus tôt que les autres. Hein. C'est bien ce qu'il me semblait. Hein. C'était même encore plus tôt que ce que je pensais. Je sais pas si Drupal il évolue. Je me pose la question quand même. Ok. Il est au niveau combien le deuxième titan? Il va être un truc genre niveau 35, je parie. Un truc comme ça. Le premier étant au niveau 25. Ah, peut-être 30. Non, ça doit être 35. Ça me paraît très bizarre que ça soit seulement au niveau 30. 35, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça m'étonne pas plus que ça. Bon, ça va, si le niveau 35, ça va. Parce qu'on est déjà au niveau 34. C'est quoi, je vais maxer un peu sa défense. Ah, mais attends, c'est peut-être sa défense spéciale du coup. Il faudrait que je maxe. Parce que l'autre va être relou. Je vais essayer de voir si Drupal évolue pas. C'est
ça se trouve, il évolue, le petit gars. Bon, si c'est niveau 35, ça m'arrange. Parce qu'on est déjà au niveau 35. C'est-à-dire qu'on a farmé 10 niveaux de plus. Ouais, le titan, il est en attaque spéciale, je m'étonne pas. Donc ça va être la défense spéciale qu'il va falloir que je blinde un peu. Ah, couche colonne, d'accord. Bah, vu que c'est un Coromon psy, en vrai. Ça m'étonne pas plus que ça. Ouais, psy, spectre, on s'est compris. C'est pareil. C'est la même chose, hein. Non, jamais cette attaque. Je ne veux plus te voir. Hors de ma vue, s'il te plaît. Ah, tu vas kiffer Elden Ring, DJ. Quel jeu. Quel jeu, celui-ci. Très certainement d'ailleurs le jeu de l'année. Quasiment sûr même. Et non, je peux plus capturer Bizon, moi. Je peux plus. Je peux plus. Putain. Waouh. Je ne peux plus. On est en Nuzlocke et je l'ai déjà eu. Donc je ne peux pas. Malheureusement. Bonsoir Lucie, bonsoir. Eh oui, c'est ça qui est triste. C'est que je ne peux pas le recapturer. Je vais rester avec Athéna devant pour l'instant. Vous pensez que Drupal il évolue ou pas? Je pense que oui, hein. Il doit pas rester dans cette forme dégueulasse. Hein. Moi je pense qu'il reste pas dans cette forme dégueulasse. Ça me paraît très étrange. Ouais, il évolue. Il évolue en quelque chose, mais on connaît pas le niveau d'évolution. Ok. Ouais, Athéna est au niveau à 3ème évolution. Yes. Ça y est. Ah, je l'ai raté. Mais c'est où la sortie? Ah, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu entre les arbres. Oh, tiens, c'est rare. Alors ça, c'est rare. Ah bah non, c'est vrai qu'on l'a déjà eu. Pas des comme ça. C'est précisé quand on lance une zone, les hormones parfaites sont autorisées. Bah, j'ai pas réussi, moi. Tout à l'heure, on en a eu un. Ah oui, mais non, c'était un puissant. C'était un puissant, oui. C'était un puissant. Les puissants, on peut pas les capturer. Mais les parfaits, apparemment, oui, d'accord. Oh, attends. Ah bah attends, on l'avait déjà vu, celui-là, non? Mouais. Mouais. Je suis pas hyper fan non plus. Mouais. De toute façon, on va en capturer un autre donc. Dans la zone d'après.
Alors. Ah oui, donc les parfaits, j'ai le droit. Ce serait génial, ça. Ok, 10 combats, c'est fait. Faites évoluer 10 Coromon. Oui. Ouf. Ok. C'est quoi, ça? Une puce. Ok. Ah, c'est pas pour mon petit gantelet ou je sais pas quoi? Ça peut être ça. Ouais, vous voyez, je suis extrêmement proche de terminer quelque chose. Encore en avancée, ok. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, il faut lui ramener des champignons, ok. Cool. Ok, bon, on va lui ramener. La puce XP augmente l'expérience reçue pendant une heure. Ah bon? Je vais voir. Ah, c'est un truc qu'on donne à un Coromon? C'est dans quoi? Puce de données. Pendant une heure. Bah vas-y. Ah, c'est stylé. Ah, il y a vraiment une notion de temps comme ça dans le jeu, même pour les objets. Ok. Bah super, j'aime bien. Bah de toute façon, on va streamer encore plus d'une heure dessus, donc... Ah, j'aime bien. Ok. Bah très bien. Je sais pas si je le ferai en stream, Amy. Je sais pas. Ouais, j'ai vu pour la flûte, ouais. J'ai vu. J'aurais pas le temps de le continuer en stream, l'autre let's play. Et c'est pour ça que l'épisode 1 est pas sorti sur la chaîne secondaire. Cool. Allez, vas-y. Je tente. Je tente. Et on va tomber sur qui? Oh! Oh! Ah! Pardon. Dis-moi que je peux le capturer. Dis-moi que je peux la capturer, s'il te plaît. Dis-moi que je peux la capturer. Et que c'est... Non, je crois que c'est la puissante. Attends. Attends, c'est... Ah, peut-être pas, en fait. Je crois que c'est la puissante et pas la parfaite. Ah, mais non! Mais non, c'est celle que j'ai appelée avec le... Avec le... Avec le... Avec le... la flûte! Mais oui! Mais oui! Mais oui, c'est celle que j'ai eue avec la flûte! Mais... Oh là là! Oh, le comeback! Mais quel comeback! Mais incroyable! Mais incroyable! Mais attendez, c'est fou! Il y a tellement peu de chances que ça arrive! Donner un surnom carrément. Oh là là. Oh là là, mais fou, c'est fou. Oh là 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 là. On va l'appeler Hera. Incroyable, la mère bien sûr. Incroyable. Queen Bee, c'est ça. Ah bah attends. Bah attends, je suis con, attends. Non, on va l'appeler Hera, c'est très bien. Non. Je peux l'appeler comme je veux? C'est comme ça, hein. Bumble. Attends. Oh là là, mais fou. Bumblebee. Voilà, on est d'accord que c'est comme ça que ça s'écrit, hein. Oui, c'est ça. C'est bon. Sauf que du coup, j'ai mis le B majuscule. Bah, remplace... Bien sûr que je vais remplacer un membre de l'équipe. T'es ouf, toi. Tiens, vas-y, l'Empire, il dégage. Oh, ce let's play repart sur les chapeaux de roue. Allez. Oh là là, mais quel kiff!
Oh là, c'est un kiff incroyable. Alors là, regarde ça. Mais. Oh là là, en plus en puissant et en doré. La Bumblebee, en plus elle est dorée comme Bumblebee qui est jaune. Meilleur jeu du monde. Même en Nuzlocke, le jeu est génial. S'il te plaît. Bon, par contre, faut pas que je reperde le Coromon, mais voilà. Incroyable. Non mais vous vous rendez compte la chance qu'on a? Genre, parce que pour réussir à réattraper ce Coromon dans une zone où on pourrait avoir tout sauf celui-là, sachant qu'on était si triste depuis plus d'un épisode. C'est le destin, je vois que ça. Tu vois, le destin a senti que qu'on voulait ce Coromon, tu vois. Donc ouais. Le destin, je vois que ça, le destin. Parce que c'est fou. C'est fou. Merci Alexandra pour ton cheers. Pour fêter l'arrivée de Bumblebee dans notre équipe. Oh, il est mignon celui-là. Oh, il est mignon. Oh, c'est un petit chat mais fantôme. Bon, il dégage quand même, mais il est mignon. Ah, celui-là, il est mignon. Je dis pas non à le choper dans l'équipe. J'hallucine d'avoir récupéré Bumblebee. C'était à quel niveau qu'elle évoluait? C'était 24, 25, je crois. Facile. Un truc comme ça. Oh là là. Ah, glacier. Je vais virer frappe vengeresse, c'est de la merde. Je vais mettre glacier. Aucune idée pour le taux de chance des Coromon parfaits. Aucune idée. Mais quelle merveille. Merci Draga pour ton resub. 35e mois de sub. Dinguerie. Merci. Et un de plus. Merci énormément. Merci beaucoup. Ce qui nous rapproche de notre trip avec Léo entre Bordeaux et Barcelone aussi. Quand tu veux pour éclore. Hein. Merci. Quelle merveille. Ah, je suis trop heureux. En vrai, je suis beaucoup trop heureux. J'aime beaucoup le biome aussi, ouais. Moi aussi. Là, je vais essayer glacier pour voir. Pour voir les... Ah oui, bah attends, faut que je lui donne de la vie à lui. Parce que sinon, il va pas... Incroyable. Ah, c'est les deux d'un coup. Ah, mais ouf, cette attaque. Waouh. Ouais, les éclats phénix, je les vends, ouais. Ouais. T'inquiète, Draga, c'est gentil. T'es là en lurk. Ouais, les éclats de phénix, ça donne un peu de thunes. Hein. C'est pas trop malin. Merde. Faut que je lui donne du soin. Je vais avoir le smile jusqu'à la fin de l'épisode maintenant là. Tellement content. Ah, tu vois, attire des Coromon avec potentiel puissant pendant 6 minutes. Je vais le faire aussi. Je vais jamais réussir à l'avoir. Boum. Ça, c'est génial comme attaque. C'est quoi, je le refais encore.
2200 d'XP là, la vache. Du coup, il faut que j'augmente la défense. Non, on est en 71, c'est bien. Je vais augmenter son attaque encore. Attends. Non, tu sais quoi, je vais augmenter ça. Un là et un là. Je me dis, on sait jamais. Bumblebee s'éveille. Allez, vas-y, on blinde l'attaque. Monte au niveau 20. Coup de vent débloqué. Oh, il y a le double dard, abeille venimeuse. Ok, on est bon. Ah, l'animation d'attaque est cool, hein. Mais c'est ça qui est chouette avec le jeu, c'est que quand bien même ils reprennent des idées et des concepts de Pokémon. Salut Bizzle. Salut. Comparer ce sourire là à la tristesse de quand on la voyait arriver tout à l'heure. Ils arrivent à rajouter des trucs quand même assez originaux, genre les designs des attaques, les animations, etc. Hop là, niveau 38. Drupal. Drupal, il doit évoluer dans pas longtemps, je pense. Hein. J'entendais beaucoup de joueurs dire que le jeu était trop court. Hein? Le jeu dure 25 à 27 heures minimum. Comment tu veux qu'il soit trop court? Hein? Où est-ce que t'as entendu ça? Le jeu dure 27 heures minimum si tu rushes le jeu. Comment tu veux qu'il soit trop court? Pour 20 euros? Attends, on n'a pas la même notion. Hein. On n'a pas la même notion. Oh, quel bonheur. Quel bonheur, mais quel bonheur. Attends, par contre, il faut que j'utilise le truc. Ah, je veux bien savoir où est-ce que t'as entendu ça ou lu ça. Hein. Par contre. Parce que c'est faux. Ah, il m'a encore empoisonné, Feyesh. Et quand je pense qu'on va avoir Bizzle en... Enfin, on a Bizzle en doré. Est-ce que vous pensez que l'évolution de Bizzle garde son côté doré? La question reste entière. Quand elle va évoluer, est-ce qu'elle va rester en doré? Je pose la question. Oui, elle va rester dorée. Incroyable. Ça serait génial. En plus, son évolution est tellement belle. Beaucoup dans les critiques sur Steam. Je comprends pas. Le jeu dure plus. Enfin, je comprends pas comment tu peux dire qu'il est trop court alors qu'il dure 27 heures minimum en ligne droite et que tu le payes 20 euros. Je comprends pas. Mais oui, c'est son caractère puissant qui lui donne la couleur. Hein. D'accord. Je comprends pas. Je comprends pas les critiques sur Steam alors. Surtout qu'en plus le jeu est génial. C'est pas plutôt des gens, c'est pas plutôt des joueurs Pokémon qui sont frustrés parce qu'il y a plein de choses qu'ils ont pas dans Pokémon et qu'il y a dans celui-là et qui lui tombent dessus. Parce que là, à la limite, je comprendrais davantage. Le jeu dure trois fois plus longtemps qu'un Pokémon, de ouf. Bon, trois fois, c'est un peu abusé. Disons deux fois. Selon le Pokémon. Je parle même pour l'aventure principale, je parle. Hein. Mais ça n'empêche pas que Pokémon est génial. Moi, j'adore Pokémon aussi, tu vois. Ça n'empêche rien. C'est juste que, bah, il faut reconnaître les choses aussi. Le jeu coûte 19 euros. C'est pas possible, ils ont pas joué au jeu. Enfin, je comprends pas. Niveau 39. Et on monte vite les niveaux, là. C'est vrai, ça serait étonnant. Les joueurs ne peuvent pas être aussi puérils. C'est vrai. Ça serait étonnant. Voyons. C'est comme aucun joueur aimant PlayStation ne critiquerait Xbox ou aucun joueur aimant Xbox critiquerait PlayStation juste parce qu'ils ont une console et pas l'autre. Ça serait... C'est impossible. Les joueurs ne sont... Certains joueurs ne sont pas aussi cons, voyons. Pas quand même, enfin. Mais non. Ça n'existe pas. Évidemment. Voyons. Où est-on sinon? Bien sûr.
veux dire, ils sont pas actionnaires, donc bon, non. En vrai, quand tu regardes les espèces de guerres de consoles débiles ou les guerres des jeux sur Twitter, t'as vraiment l'impression que ces gens-là, c'est des actionnaires des sociétés. Vraiment. Genre, mais actionnaires majoritaires, tu vois, genre, il faut qu'ils défendent leur bout de gras et tout. Genre, vraiment, j'ai vraiment cette impression à chaque fois. C'est terrifiant. Je comprends pas. Hein. Bah, décidément, Bizzle. Hein. Et si je retombe sur un Bizzle puissant? Le truc de glace. Tu peux respecter un peu mon Coromon, Rosen? Oh? Tu peux respecter ou pas? Le truc de glace. Non, mais ça va? Oh! À se calmer? Ouais, la souris électrique là, tu lui as donné la petite pierre dans le cul là pour qu'il évolue en Raichu ou pas? Se calmer 5 minutes. Oh! Oh! Merde! Respecte-le! Bon. Voilà. Crotte. Je te jure. Pa 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 pa. Allez hop. Hop là. Ouais, le bot aime pas quand on met trop d'émojis, Amy. Fais gaffe. Hein. T'inquiète, moi je gère. Mais toi, c'est Bumblebee, c'est. Vas-y, on va tout défoncer avec Bumblebee. J'aime bien l'avoir appelé Bumblebee, ça me fait marrer quand même. Wouah! Première fois qu'on en voit 3 d'un coup, je savais même pas qu'on pouvait. Wouah, là ça commence à être chaud. Vas-y, pas grave, vas-y. Wouah! Regarde, on va faire le glacier. Regarde, Titanic! Boum! Hop là! A plus personne! Allez hop, Titanic! Allez hop, y'en a plus! Plus personne, salut! 1200! Ah, j'aime tellement! Mais ce jeu. Il n'empêche que. On est tous d'accord pour dire que sur ce putain de morceau du Titanic, il y avait suffisamment de place pour 2 personnes. On est d'accord? Tu penses pas que l'autre grognasse, elle pouvait se pousser un peu sur la gauche plutôt que laisser crever son pote? Enfin, son copain. Non, penses-tu? Allez hop, salut! N'importe quoi, Amy. Allez hop, salut les gars! Goodbye! T'as le max XP qu'on se fait, c'est ouf! Je suis dingue de ce jeu. Ok. Pa-pa-pa-pa-pa. Je suis tellement heureux de cet épisode en vrai. Mais c'est dingue. Niveau 20... Ah, c'est peut-être là l'évolution. C'était peut-être au niveau 24. Peut-être pas. C'était. Non, c'était pas niveau 24, c'était après, non? Non, c'était après. Bon, c'était plus tard. En fait, je pense que c'est parce qu'on utilise la potion là. Ah, par contre, s'il pouvait y avoir 3 Coromon à chaque fois, ça pourrait être chouette, hein. Parce que vu l'XP que ça nous donne. Je vous rappelle que le deuxième titan, on vient de battre le premier titan. Il y a pas longtemps. Et on est déjà au niveau 41 en gros. Ça c'est du farm d'XP. Ça c'est du farm d'XP s'il vous plaît. Voilà. Bon, je dis pas qu'on va rouler sur le jeu parce que c'est pas le cas. Mais voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà. Allez hop le Titanic. Vas-y, attaque-moi. Hop là. A plus personne.
C'est tellement génial, putain. Ah non ! Beezle, mais Beezle est résistant, comme d'habitude. Bon, Beezle a glacé, par contre. Une glace de Beezle. Vas-y. Et normalement, je vais éveiller le... Je vais éveiller son... Je vais l'éveiller avec un nouvel point de capacité juste après, là. Ah ! Allez, vas-y, boum. Vas-y. Niveau 20, c'est peut-être là. C'est pas là. Ah, un dick, il faut que je lui donne comme attaque. On avait dit que c'était pour identifier les cibles. Ah mais moi je farm, je suis obligé. Regardez ce qui s'est passé contre le titan. On s'est fait dégommer parce qu'on n'avait pas suffisamment de points de vie et tout. Il est hors de question que ça nous réarrive face au prochain titan. Hors de question. Alors là. Hors de question. C'est mort. En plus, on a une autre... Du coup, est-ce qu'on peut comparer les Coromon puissants et parfaits aux Shiny un peu? On peut, non? Concrètement. Je suis au même niveau et j'ai peur du reste du jeu. Bah ouais, tu m'étonnes. Toi aussi, t'es en atroce. Ah, quelqu'un de bien, ça. Quelqu'un de bien. Voilà, ça, j'aime ça. J'aime ça quand on partage ce goût pour la difficulté. Ça, j'aime. J'aime. C'est ça qu'on veut voir. Oui, alors ça lui fait rien. Non, c'est me semble. Ah, j'ai d'eau, faut vraiment que je vire cette attaque de merde. Bah, vous me connaissez, je fais toujours mes jeux en mode difficile, donc bon... Bon, je sais pas si on fera Xenoblade Chronicles 3 en difficile, parce que le jeu est déjà suffisamment long en 100, 150, 200 heures pour ne pas se rajouter 100 heures de contenu en plus. Donc on le fera sans doute en mode normal, celui-là par contre. Sur les jeux trop longs, je le fais, enfin trop long, long comme ça, je le fais en mode normal. Sur un jeu de 30 heures, ça va. Je peux me le mettre en difficile. Allez hop, ça dégage. Mais Xenoblade, je sais très bien que c'est plusieurs centaines d'heures. Bumblebeat, c'est peut-être là? Non. C'est pas au niveau 26? C'est à quel niveau? À quel niveau, Bi? Déjà que de base tu aimes le farm, mais là la perte t'a rendu berserk totalement. Tiens, en parlant de berserk! Attendez, je vais vous montrer un truc. Attendez, je vous montre ça pendant l'épisode. Vous savez que Glénat m'avait envoyé les 16 premiers tomes de Berserk? Et du coup, je me dis, bah, c'est trop cool, ils m'ont envoyé les 16 premiers tomes. Et ce matin... Ce matin, je reçois par la poste le reste des tomes de Berserk. Voilà. Merci Glénat. Donc du coup, bah ça me fait de la lecture. Mais du coup, voilà. Attends, je les mets sur le côté. Merci Glénat encore, je posterai une petite photo. Mais voilà. Attends, je vais les mettre là. Attends, j'aimerais bien ne pas les abîmer. Donc voilà. Hop là, amicalement, mais en forêt quand même, yes. Yes. Donc merci Glénat de ouf. Mais voilà. Donc, du coup, ça va me faire de la lecture. Mais trop trop cool. C'est chouette, c'est toi quand le facteur passe. Oui. Ouais, bah il passe tous les jours en plus, donc c'est avantage. Et j'ai reçu un petit colis de Microsoft aussi aujourd'hui. Il vient d'Arizona. Il vient d'Arizona. Pour As Dusk Fall, hein, aussi. Ah, et j'ai reçu ça aussi. Ouh, j'ai reçu ça, mais j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Voilà.
Bof là. Bref. Bref, j'ai plein de trucs à vous ouvrir. J'ai plein de trucs à vous ouvrir sur Insta et sur Twitter. Donc voilà. C'est la collaboration entre Pokémon et Célio. Il y a plein de choses dedans, le truc est assez lourd, il n'y a pas que des t-shirts. Il y avait un paquet de bonbons Pokémon. Je l'ai peut-être mangé avant l'unboxing. Peut-être. Peut-être, hein, c'est pas sûr. Hein. Voilà, peut-être. Et sinon, il y a plein d'autres trucs dedans. Je vais vous faire des photos. Mais vous savez quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Géant à côté. Je vais racheter un paquet de bonbons Pokémon. Et je vais le mettre dedans pour faire les photos. Pour faire genre. Pour faire genre, je l'ai pas mangé, tu vois. Pour que la photo soit complète. Voilà. Bon, après, il faudra que je le remange, le paquet. Voilà. Il faudra que je le remange. C'est triste, je sais, mais... Non, en vrai, c'est triste, parce que... Je me suis remis au sport de ouf, et j'ai encore du poids à perdre. Et du coup, manger des bonbons, ça va pas. Ça va pas du tout. Surtout que le paquet, en plus, en général, tu me mets un paquet, je te le défonce en 10 minutes. Hein. Ça va pas du tout. Bon, en tout cas, Berserk... Je suis trop content, parce que ça va me permettre de tous les lire. Il y a combien de tomes à Berserk? Il y en a bien 40, hein, c'est ça? Du coup, c'est fini. Parce que là, j'ai les 40 premiers, je sais pas s'il y en a après. 41. Ah, mais attends, il est pas sorti le 41, je crois, c'est ça? C'est ça? Là, j'en ai 40, en tout cas. L'effet phénoménal de l'encens puissant, grave. 41 et ça continue finalement, d'accord. Mais l'auteur était pas décédé? Il avait pas passé l'arme à gauche? Si, mais repris. Ah, il est revenu! D'accord. Il s'est dit, oh putain, non! Non! Je ne peux pas laisser la série comme ça! Ouvrez cette trappe! C'est ça? Pardon. Non? Oh non! Impuissant! Attends, je peux pas le capturer par hasard? Je tente, hein. Oh, je peux! Je peux? Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Bon, j'aurais d'un. Non, mais c'est le... Si, mais il a repris. C'est ça qui m'a fait sourire. C'est horrible, mais... S'il vous plaît! Oui, j'ai pas fini! C'est possible de sortir? Qu'est-ce que c'est que toute cette terre que vous avez mis au-dessus? Oh bordel! Merci, Dugia! Merci beaucoup. Ah! Allez, verdict! Verdict! Merci beaucoup, Dugia! Joyeux anniversaire! Pour tes 2 ans! Pour tes 2 ans, je t'offre cette belle évolution. En espérant que la bille reste dorée. Oh là là, elle est magnifique! Mais elle est tellement belle! Regarde ça! Regarde ça. Magnifique. Il n'y a juste rien à dire. Magnifique. Somptueuse. Incroyable. Mémorable. Fantastique. Exceptionnelle. Folle. Tout les... Insane. Tout. Ah là là. Jouissif. Oui, c'est jouissif aussi, ouais. Putain, je suis au niveau 43, la vache. Je suis pas du tout en train de farmer cette zone, pas du tout. Ah non, mais avoir retrouvé ma petite abeille, là, ça m'a ragaillardi. Voilà, clairement. En fait, tu mets en parallèle mon... Non ! De la mort de la première et la réaction d'attrapage de la deuxième en puissante. Je pense que ça peut être un bon parallèle, hein. Ouais, mais je vais la blinder en défense, t'inquiète pas. Ouais. T'inquiète pas. Je veux pas qu'il lui arrive ce qui est arrivé à la première. Vas-y. Je réduis les corps de cette zone en gelée, c'est ça?
Bon, il n'empêche que l'encens que j'utilise, là, l'encens puissant qui fait apparaître des coromones puissants, pour farmer l'XP, c'est génial. Beaucoup trop cool. Salut à ceux qui débarquent. Merci encore pour tes 2 ans de sub, mon cher Lucas. Merci encore énormément. Quelle merveille. Ce jeu. Et j'espère prendre autant de plaisir dans le nouveau Pokémon là qui arrive. En vrai. J'espère. Ça serait fantastique. Alors ça sert à rien du coup là. Monter niveau 29, nickel. C'est vrai que le chat parfait fantôme il serait génial. Bah là je pourrais pas la capturer donc il faut que ça soit avec la flûte. Donc j'espère que ça sera dans la prochaine zone, hein. On verra. Alors j'ai envie de te dire que là le titan niveau 35, il va rentrer avec la queue entre les jambes. Quand un Coromon à toi est KO, tu le perds pour de bon. Absolument. Quand j'ai un Coromon, bah ça m'est arrivé justement. Les cas parfaits sont capturables en sauvage. Bah non. Bah j'ai essayé, il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Bah en tout cas les puissants veulent pas. Il veut pas. J'ai essayé là juste avant. C'est ce que je disais, il veut pas. Il me disait que je pouvais Ah c'est le parfait, pas les puissants, ok. Ok, donc le parfait c'est encore au-dessus, d'accord. Bon si je trouve un parfait alors, ça serait cool. Ah ouais. Du coup, on peut considérer les puissants comme des micro-shiny et les parfaits comme des shiny. C'est ça, au final. Comme des shiny, shiny. Ou alors des shiny. Non, je pense que puissant, c'est shiny. Et genre, parfait, c'est ultra shiny. Tu vois? Je pense. Je pense qu'on peut les voir comme ça. Bah vous savez quoi, j'ai une potion pour en trouver des plus rares, on l'essaiera s'il faut. Au pire on fait ça. Hop là, niveau 45. Boum, paix intérieure. Balai steak. Niveau 30 pour Mumblebee, on est bien. Défi accompli. Boum. Ah, attends, je l'ai fait 2 fois. Ah oui. Bah oui. J'ai eu pas mal de shiny dans Legend Arceus. Parce que c'était facile de les avoir, hein, en vrai. Dans Legend Arceus, les shiny, ils pleuvent. C'est une pluie de shiny. C'était très cool d'ailleurs. Bon, allez, je monte encore un ou deux levels. Hein, et puis on sera bon, je pense. Parce qu'il va falloir qu'on se termine cet épisode aussi, ça fait déjà 1 heure, j'avais pas vu. Ça passe vite, hein. Ça passe vachement vite, hein. Après, si vous voulez, on peut passer une grosse partie de la nuit ensemble à streamer. Ah, on peut le faire. On peut le faire. Peut-être jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Continuer un peu le jeu, tranquillou. Voilà, au calme. En plus, c'est calme le soir. On va peut-être continuer un petit peu Minecraft avec la construction et puis reprendre aussi cette aventure-là. Ah, ça va faire masse d'XP, ça. Ça peut être cool. Allez, vas-y, boum. Bah oui, toi, Clem, je suppose. Eh ben, il n'en fallait pas plus. Ton avis a suffi, Clem. Voilà, grâce à toi, je streamerai plus longtemps ce soir. Juste, voilà, c'est tout. Voilà. Bon, on va terminer. Je veux juste monter un level de plus. Son Altesse s'est fait embêter la nuit dernière. La nuit. Mais je veux pas savoir ce qui se passe dans ta nuit. Dans la nuit, Clem. Ce qui est privé reste privé. Enfin. Ça ne le regarde pas. Mais non, l'autre gars. Non, mais peu importe qui. L'autre gars, l'autre... Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Ça ne regarde pas. Ah, très bien. Eh bien, ce Coromon évolue.
Ah tiens. Non. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait qu'il y a un magmar qui a copulé avec un tas de morve. Vraiment. Mais de toute façon, faut que je le garde en plus. Mais je sais, Clem. Je blaguais, tu le sais très bien, enfin. Ouais, je suis pas fan, mais en même temps, on va en avoir besoin, potentiellement, contre le titan, donc bon. Quoique. Allez hop, glacier, Titanic, boum. Boum. Allez, ça dégage. Allez hop, niveau 40. Ouais, j'ai envie d'en faire encore un petit peu. Ou alors, on va jusqu'à la fin de la potion. Niveau 31. 80. Attends, défense. Vas-y, défense. Ok. Wow, Dukia, mais merci beaucoup. Qui a offert 6 subs à E4. Tu sais quoi, je vais sortir le coffre. Et encore merci pour tes 2 ans. Attends, je vais faire les deux en même temps. Merci beaucoup pour E4, pour Madame Chromatique, pour Nono. Ouais, je fais les deux en même temps. Pour Tom Tidus. Également pour Sioki Moana. Pour Nitan Story. Merci énormément. Ah, Madame Chromatique, mais t'es là quand même. Ah ah. Merci beaucoup. Ouais, je fais tout en même temps, regarde. Hop là. Et ouais, j'ai deux mains. Je suis ambidextre, hein. C'est l'avantage. Merci beaucoup. Merci énormément. C'est l'avantage d'être ambidextre. Tu peux tout faire à deux, avec deux mains. Ta-na-na. Non, ah, jusqu'au niveau 50. En vrai, on pourrait, hein. Je viens d'arriver à l'instant. Ah, ah. Et tout de suite mise à jour, tu vois. On t'a vu tout de suite. T'as à peine revenu sur le stream, bam, un sabot offert. Cette communauté de l'amour, c'est vrai. Incroyable. Incroyable. Bon, on fera juste une pause à ce moment-là ce soir pour dîner, pour manger, et je tournerai aussi le Gaming News de demain matin parce qu'il y a des petites choses dont je voudrais parler. Finalement. Parce que j'avais dit que pendant les vacances, il n'y en aurait peut-être pas tous les matins, mais là, il y a suffisamment de choses. Et après, on reprendra le stream. Bah, merci, DJ. Qui a offert un sub à Ayatan. Ou Ayatan, je sais pas. Merci beaucoup. Merci énormément. Et vous êtes des amours. Vous êtes des amours. Merci de votre générosité. Ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Oh là là, Bumblebee en doré comme ça. Quelle merveille. Pense à soigner Athéna. Ouais, je viens de le faire.